Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BF1, on se retrouve pour le troisième quart de finale de ce tournoi des top clans, Darkness Squire contre le clan impitoyable, des belles compositions d'attaque, du beau match, je vous invite vraiment à regarder ça, c'est super intéressant, même ceux qui l'ont déjà vu, franchement à revoir, c'est toujours un plaisir, n'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce bleu, un petit commentaire de soutien et vos propositions éventuellement en commentaire pour les futurs tournois, des idées, des concepts toujours preneurs. A très bientôt, ciao ciao. Lord de chez Impitoyable, Lordise. Voilà. C'est ça, hein? Impitoyable en haut, hey. Darkness Queer en bas. Exactement. Premier match du BO3, quart de finale. Allez, c'est parti, les amis. Je rappelle aussi qu'il y a 45 boules en jeu pour le gagnant. Pour le premier tournoi, ouais. Par Roro Bounty. Alors, Roro qui est l'association sponsor Roro Bounty. Et membre officiel de la French Royal League. Fier de l'être, j'imagine, Roro. Très fier. Très fier bon de l'air, projet. Très beau projet. Et ça joue cochon. Ça joue, pardon. Et ça joue géant. Ça joue géant mini PK en bas. On va se rattraper du. Voilà, ça a gratté un petit peu quand même. Même bien. C'est un bon premier push pour Lordiz. Ouais. Attendez, juste deux secondes. On entend bien, non? Je pense qu'on est bien là. J'ai eu peur d'avoir un bug son. On est bien, très bien. D'accord, très bien. Ok, donc, alors attendez, j'ai raté encore des coups, donc forcément. Attendez, granola, on a dit que c'était. Oh purée, je me paume. Alors, granola, c'est des darks. Fait partie de c'est des darks, c'est des darks. Les darks sont en bas, j'ai du mal. J'ai pas l'habitude de voir ces joueurs. Ok. Fléchette. Alors, les petits archers qui sont clinés par le mousquetaire, sans prendre trop de dégâts. Alors, avec qui va l'accompagner? Avec rien du tout. Donc, le géant. En def avec une géant petite. Princesse. Oh, c'est dans le cochon par contre qui passe. Attention, oui. Qui va mettre un coup et pas deux. Mais quand même, ça baisse à 1238. La défense qui est pas trop mauvaise. Mini PK contre mini PK. Mais bon, regardez, bon. Pas si bien que ça parce que la princesse est quand même arrivée. Comment il va la clean là? Attention. Un coup. Un coup, elle met quand même un coup. Gobelin couteau, il faut qu'il les défende ces gobelins couteaux. Ah, bomber! On n'a pas vu le bomber. C'est vrai. Alors le bomber qui irait bien effectivement derrière un petit géant, effectivement, donc le bomber qui arrive tout seul, il faut quand même le clean ce bomber, parce que sinon il peut faire mal. Voilà, il la clean, très bien, très proprement, 100 mètres de dégâts sur son mousquetaire. Deux petits archers pour contrer, attention, le cochon qui va essayer de se faufiler, mais non, qui est pris target par les archers, oui, il n'a pas eu le temps de mettre un seul coup. Et là du coup le contre est intéressant, parce que là il pourra pas tout clean, il a clean un petit peu de barbare, ça va mettre des coups, attention, la princesse qui se place pour truc, et le ballon, ah là attention. Là, oh, bien joué le canon qui se positionne là. Est-ce que ça va suffire? Parce qu'il a rien contre l'aérien. Regardez là, il a rien contre l'aérien. Va falloir. Ah, ça y est, le mousquetaire se positionne. Mais la princesse qui va prendre la tourelle. Presque, oui, c'est et pris. Oui, et oui, eh oui, je l'ai senti. Ce comte qui avait l'air dangereux. Ce comte qui avait l'air très dangereux parce qu'il était très étalé en troupe. Il pouvait pas tout clean à la boule de feu. C'était trop étalé. Il y en a, regardez encore. Il va être obligé de défendre à 15 secondes. Après, c'est foutu là pour. Et Dark, impitoyable qui va mettre ce premier point, regardez. Enfin, je pense, hein, regardez, à moins que ce cochon. Non, non, ah, pas mal, pas mal. Non, ça va être. Non, 3 secondes. Non, c'est bon, c'est fou, c'est bon, c'est fait. C'est fait. Premier point pour impitoyable. Impitoyable, c'est ça, hein. Oui, Lordis, quand même. Ah, ouais, mais c'est mes petits chouchous du tournoi. Hein. Et c'est quand ils veulent, parce qu'effectivement, à ce taux-là, on va finir à minuit. Hein. Ah, c'est quand ils veulent, moi, c'est bien, ça me fait une pointe. Ah, ça y est, c'est parti. Ah, ça y est, t'as entendu, ça y est, 3 viewers déjà sur la game. Allez, les rouges. Et après, allez, les bleus. Ça joue après sur le mental. Impitoyable qui est en bas, et donc Square. Mais moi, j'aimerais quand même une égalisation, parce que j'aime bien quand il y a un peu un dénouement, un partout, demain, c'est plus vibrant. Donc ça me ferait plaisir quand même une petite égalisation des darks. Bon, qui sont déjà bien représentés dans le tournoi. Hein. Mm-hmm. 50 euros le placement de produit pour Perrier. Et B. Si c'était que ça. Si c'était que ça. La bouse royale. La bouse royale, comme dirait Trapounet. Alors on retrouve du géant royal. En bas, on a du Bibi Dragon. Bah, attendez, moi je connais pas du tout ce deck là, je crois que je l'ai pas vu bien. Ah, mineur géant royal, ah, ça j'aime bien ça. Ah, je jouais ça, regardez comment ça marche pas trop mal en plus là. Eh, hey, ça a mis des dégâts, ça a mis des dégâts, regardez tout ce qu'il a dû quasiment la sortir. Moitié. Oui. Oh, ça joue Molos. Ouh. Ah, bah oui, on l'avait en 3 perçu, je crois. Ballon. Oh, Molos ballon, alors attendez, quand ça passe ça. Il se croyait sur Clash of Clans lui. Ah, il joue Molos ballon, il va nous jouer.
Et Baby Dragon, c'est la future compo de Clash of Clans d'ailleurs. Eh oui. À lui joue Mais regardez le quasiment Molosque. un deck Mais bien purée, ce... aérien. Ah ouais, bien rien. Et je pense qu'il va prendre la première tourelle. Non, non, parce Non. que c'est pas dit là. Regarde, regarde, regarde. C'est... Ben, elle est bien Non. esquintée, hein. Elle est bien Elle... esquintée, mais c'est quand même un roche qui coûte un peu cher à placer. Mais bon, il fait mal. Et s'il doit se mettre à défendre, ça va pas être simple de le placer ce Molosque. Là, il va falloir défendre quand même, attention. Alors, le mineur carré, bon, il va. Voilà, défense au Baby Dragon. Eh, Baby Dragon niveau 3, les amis, hein. Je sais pas si vous remarquez, mais il a pas les cartes max, hein. Non. Il a pas une carte max, hein. C'est 4 hein, qu'on peut avec le cap, hein. Donc ça, c'est quand même remarquable, hein. Très intéressant, très intéressant. Ça va être, moi je dis, ça va être, ça va pas être Ouh simple hein, là, quand même. Hein, ça va je faire sais mal ça. pas. Hein. Ouais, je pense. Ça va Moi j'ai un peu être... peur, mais ça me fait un peu peur ce deck que j'ai en royal. Ce deck que j'ai en royal mineur là. Mais là il a quand même bien défendu. Il a pas. devrait presque profiter... Ah oui, il en Ah profite ouais. pour placer son truc. Il va l'obliger à défendre. Ça c'est bien joué. Il va l'obliger à défendre à 40 se... 41 secondes de la fin. Parce que c'est un push qui est un peu lent. Et regardez, il défend. Oui, il défend. Il défend, mais regardez le quand même. Il va placer son ballon ou pas? On n'a pas vu le ballon. Ah, la princesse qui se Et le place mollusque qui met pas derrière. beaucoup de... En fait, il Attention, met la pas beaucoup de princesse dégâts, qui n'a quoi. pas été protégée. Attention, l'autre il va. Ah, et du coup, il y a un petit Et il en contre. Il y a un profite. petit contre. Il y a un petit contre. Et regardez, il défend bien contre le Baby Dragon. Donc, du coup, il y a eu juste un petit Lava Pup qui a fait The Last Lava Pup. Ça dit quelque chose, ça. Ouais, le dernier Lava Pup qui a essayé de mettre quelque chose, mais pas suffire. Eh, il renchaîne, Molos. Alors, attendez, c'est intéressant là. Ah oui, clean de princesse en def. Avec les petites fléchettes. Le sorcier qui est lui éliminé. Ah. Le ballon qui arrive, attention, la bouse royale. Ouh, ça va être le premier qui finit. La mort subite, attention. Ils ne défendent plus. Ils cherchent à aller à l'aggro, mais l'aggro du. Si, il défend C'est le quand même avec ballon, les morts-morts, c'est parce le que. ballon. Attention, Ah, attention, le géant oula. royal, attention, le géant royal quand même. Et le bien joue, Bien, bien bien joué. joué le coup. Regardez. Attention, est-ce qu'il a une boule de feu? Non, il n'a pas de boule de feu dans son deck là. Attention. Ah, ouais, mais ça défend la Valkyrie, bien sûr, qui est pas mal comme remplacement. Vis-à-vis de cette. En dehors. Ouh, ça aurait pu être très décisif. Vous avez vu là, il place son extracteur en défense. Là, ça va être compliqué. Hein. Je pense que le Oh, géant royal. Moi, je pense que le le géant royal mineur, va passer. le mineur, le Et mineur. le mineur aussi, il va pas finir, mais le géant royal peut. Enfin, moi j'ai plus peur là parce que regardez, là, il est débordé, il peut pas placer son combo. Et le reste sans son combo, il est un peu juste. Il a besoin de placer son combo. Et là, regardez, il va se faire contrer à mon avis. Ah, la princesse qui passe, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Il a perdu la connexion, je crois. Ah, il a perdu la connexion, c'est pas possible. C'est Regardez, fini. il fait rien, il fait rien, il fait Ouais, rien. Il a perdu la il co. fait plus Ah, rien. il y a une perte de co là. Aïe, aïe, Ouh, ça aïe. c'est terrible. Et 2-0Ouh, ça c'est pour terrible. impitoyable.